tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de la vidéo, hein, pour faire un petit peu le débrief. Alors j'ai essayé de vous filmer un petit peu au maximum le salon, même si on va dire ça a été un peu plus dans le compliqué que prévu, enfin compliqué entre guillemets, c'est parce que on a surtout parlé avec notamment les amis de son vidéo. Petite rencontre avec Pepe Garcia également qui était là. Du coup, voilà, il y a eu pas mal, il y a eu plus au final de blabla que de vidéos, mais en fin de compte, ça a été plus des rencontres intéressantes, etc. Et puis, ça fait toujours du bien de rencontrer des personnes que l'on connaît, etc. Dans ce genre de salon. Du coup, voilà. J'espère que néanmoins la vidéo vlog vous aura plu. Et puis voilà, et puis si je veux reparler un peu plus en détail de pourquoi, on va dire, j'ai pas plus filmé que ça, c'est dans le sens où, même si, on va prendre l'exemple entre Pepe Garcia et moi, puisqu'on est, enfin pas dire dans le même domaine, mais on va dire que on est plus dans le milieu YouTube, tous les deux, c'est surtout ça, c'est que Pépé, il a plus, on va dire, d'accréditation que moi à filmer, dans le sens où lui, il parle vraiment accès technologie. Lui, il est plus sous l'aspect presse, alors que moi, j'ai pas l'accréditation pour la presse. Quand je vois que j'ai pas forcément l'accréditation de presse, ça met un petit peu un petit frein à sortir à la caméra. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai sorti. Préféré prendre la Sony, hein, malgré tout. Ouais, pour ce genre de salon, ça met un petit frein dans le sens où j'ai pas l'accréditation presse. Et je me dis, même si on va dire que j'ai autant l'éligibilité qu'eux, le fait de pas avoir cette accréditation, ça fait un peu moins bien. On va dire que comme ça, c'est. Je trouve qu'on est. Que je suis pas plus légitime que pour filmer, on va dire. C'est ça le problème. Et du coup, bah, c'est sûr que ça fout un frein, mais voilà, on essaye au fur et à mesure de se placer, d'essayer de faire des vidéos malgré tout, voilà, de trouver un petit peu le juste milieu de qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut pas filmer dans ce genre de salon. Compliqué, hein. Moi j'ai eu d'autres salons où on me disait carrément ouais, sortez pas la caméra, on veut pas que ça fasse doublon, un machin, etc. Alors que moi c'était là pour faire des vlogs, mais bon, après, encore une fois, c'est l'inconvénient, c'est de ne pas avoir l'accréditation presse. Donc faudrait que j'arrive à obtenir tout de même les accréditations presse pour pouvoir filmer comme je veux, mais être tranquille. Parce que au moins avec l'accréditation presse, je peux sortir la Canon. Et être tranquille quoi, c'est ça qui serait bien de pouvoir la sortir, parce que la Sony elle est bien, mais voilà, pour être en mode discrète quoi, on va dire ça comme ça. En tout cas, prochain vlog, ce sera la foire au troc, et là la foire au troc ça va être totalement différent, dans le sens où je peux sortir comme je veux la Canon ou la Sony DSX300. Voilà, j'espère que le petit vlog vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.